Des fois, on lance en même temps. C'est ça. Quand on a la wasaya, voilà. Quand on a la wakati, même, on peut montrer une démonstration. On a déjà là, là, c'est pas difficile. Alors, on ne joue pas sa machine, il y a une modélisation là tout de suite, après il y a un print. Ok, on va allumer les machines. Et Sergio Tsenglambabi, Tsenglambabi, on est. Voilà. Donc, on a ces petits objets. Zinjao, ça appartient à Henny et ça, c'est pour la programmation, création robotique. Donc, ces outils-là, robot, peu importe, robot, bon, on risque de caramba, robot, ben, bien d'ao. C'est un robot, une machine à programmer. Ça, c'est un robot. Au lieu de dire un robot, on dit un ordinateur. Voilà, ça, c'est un robot. C'est un robot bagarre. Donc, on aime la garoï, surtout pour les enfants. Sous Jarwa, on a des composants. Ça, c'est un moteur, il y a un capteur. Et il me fait l'air hindi parce que là on voit qu'il y a des yeux alors qu'il y a un simato, une des matos. Voilà. Aussi, il y a un ce qu'on appelle Arduino. Donc, Surumi a langage Arduino pour créer un robot, pour faire une programmation. Donc voilà, il y a un titi déjà à monter, il y a un peu de monter gare, il y a un peu de monter. Et puis après, on a ces outils-là. Les outils, nous, ça sert justement à faire la programmation. Là, on a moteur, on a zéphilisé, on a écran, on a écran. Donc, ça, c'est programmé. On apprend comment programmer. On a capteur, une capteur de son. On a un garage, Et quand il y a pas ça obstacle au diffrène. Au diffrène. Donc justement, il y a des formations qu'on fait surtout à partir des garlines. On fait une formation, on les monte, on fait une programmation. Et quand l'un des hâtels par ça obstacle, les hime et les kaouhe. Comme les points. Voilà. Donc pas forcément ça, avoir un design, un bras intelligent. Tu peux faire une installation, enfin une programmation. Et quand on dit à moi, je vais vous dire, il suffit tu cliques, tu as pas. Donc, avec tous ces kits-là, on va faire une formation à partir de là, mon jour. Je vais créer, modéliser, un bain de là. Bien sûr, tout ça se fait par un ordinateur. À ma balance, juste on a. Avant, nous avons juste une petite démonstration. Nous avons monté. On a une LED, on a les fils. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Arduino. Il y a des cerveaux. Il y a des cerveaux. Il y a une programmation. Donc, si je allume, si je le mets là, direct, il n'y a pas ça. Mais là, on fait une formation. On a une nuit de clignette deux fois. Donc, tu viens dans l'ordinateur, il y a un logiciel Arduino et on a un langage. Tu écris quand on a le bien ou le pas. Il a allumé deux fois. Et l'engagement, c'est genre chez eux. Il a l'engagé, il n'y a pas de. Donc ce sont des codes, bien sûr. Les codes des loyaux, il faut aussi mémoriser. Bien sûr, on a chez eux, le logiciel de l'ingénieur, il a chez eux, il a chez eux, il a chez eux, il a chez eux, il a chez eux. Donc, il des cerveaux soif. Donc là, on va t'apprendre ça déjà. Fonctionnalité, on a un câble, on va nous les fonctionnalités. Et à partir de là, quand ça rejoue, on a un peu de fonctionner. Donc, il y a un hardboard, il y a des tests. Donc, tout ce que tu fais, tu as besoin de ça, ou faire des tests. Maintenant, on va voir ça, on va faire. Elle sera programmée, donc il suffit de ce canal et il dur, poste ce dur, mais il y a aussi du jour, il y a une programmation, et quand il y a des choses, 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 il y a des choses.
Voilà. Donc si Kangabo en Amasuala. Et 3D. Et voilà. Il y a les 3D, on fait une formation. Alors, on a fait une sorte de formation. Comment on fait la modélisation? Il y a 3D. Parce que le Karamba 3D, pas forcément. Le 3D, Ama Windows Kirika dessiner 3D. C'est différent. Alors, on a modélisé 3D. On a amené au Flash, on a amené au Final 3D, il y a scripté. Ça, c'est différent. Voilà. Donc, le modèle, c'est ou fanyen bahindu, modèle yam bahindu. Alors, il y a un cas virtuel, après, le cas essayé, ça, il y a un cas physique. Alors, donc, c'est fait à partir d'un logiciel. Donc, avant, on a un logiciel, il y a un fanyen modèle yam bahindu, yahoo, peu importe. Peu importe, on a atteint 3D. Il y a un fanyen bahindu, modèle yam bahindu, peu importe, même si la métal, il y a un tchéba. Alors, mes machines, il y a un tchéba. Il y a déjà utilisé le modèle de 3D. Pas forcément. Nous, juste, c'est du plastique. On imprime ou l'angoutinzo. Ah, donc, pas quand vous faites fleur, il y a une pièce. Pièce, pas une pièce, il y a chouma métal. Quand vous faites le modèle, il y a en 3D, où il y a le jokoukaya, bien sûr, où il y a les mesures, il y a le bahindu. Bon, avant, il y a des gens qui font. Est-ce qu'on doit imprimer? Ah, on doit utiliser un métal. Quand on a une machine à métal, il y a des objets là où. Donc, à partir de là, on a des formats. Et quand on doit faire un hasard, quand on doit faire par exemple, on doit imprimer en 3D, donc on doit exporter en format, par exemple, STL. Et quand on doit imprimer, on doit faire une machine à friseur CNC, on doit exporter en format SVG. Donc, c'est là où. Voilà. Ça prend du temps. L'impression, ça prend du temps. Surtout, il y a une. Une, ça prend du temps. Ça dépend. Parce qu'à un moment donné, ça prend 1 h 30 minutes. Donc, ça dépend de la capacité. Quand il y a un coup, il y a un wakat. Quand il y a un titi, il y a un rakambab. Et formation, c'est 4 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. 4 2 semaines, quai de. Alors, si c'est sous casa heure, sous 17 h à 13 h. Quand tu sous car quand tu vas nous à jusqu'à même si tu mises formation chez Kango, on c'est pas un souci, donc quand tu sous cavam, pas forcément quand tu pas quand formation. Et quand on a wakati, on a et tu viens, tu apprends. Ah, les formations gratuites. Les formations sont toutes gratuites. Si, si. Il transforme et il est compatible avec les machines. Ah, oui. Parce que là, on doit dessiner par Illustrator, ou bien on doit imprimer, ça va pas fonctionner. Non, 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 ça ne va pas fonctionner. Et justement, il y a une somme de formation. Les logiciels, ils ont du COVID. Un dessinateur, dans César. On a déjà imprimé en 3D. Donc, c'est là où tu viens, on te montre, on a du COVID. Et donc, il y a des logiciels, il y a des étapes, même un même architecte, oui, un même architecte, il a plans. J'ai la même machine et le logiciel là, on fait plans. Il ne peut pas exporter directement direct. Donc il faut avoir par modélisation Randy. Il y a un logiciel, il y a imprimante 3D, correspondant à imprimante 3D, ou il y a imprimé. Ah, la formation, il faut que vous relancez en droit.
formation. Alors, je vous passe à Ourdi si vous voulez faire une petite démonstration de formation. Donc voilà. Hein? On allume les Ourdi. Ok, voilà, on va utiliser. Tiens, on va utiliser ton atelier. Voilà. On essaie de machiniser pas ça. Il n'y a pas ça. Hein?
Y a pas de souci. Hein. Et voilà, si... C'est mieux de le poser comme ça, on peut concevoir.